Là, merci, tu peux rentrer. Vas-y d'abord et je pars. Entendu. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Il ne répond pas, c'est curieux. Il est peut-être en train de faire sa ronde. Enfin, ça m'étonne, en principe, il ne la fait pas à cette heure-là. Il est maintenant... Environ minuit. Oui. Mais il devait m'attendre, je lui avais téléphoné. Allez, vas-y, rentre. Non, j'attends encore un instant. Voyons, je suis plus un petit garçon. Il y a une autre porte, et j'ai pris la clé. La porte est ouverte. Bizarre. Mais elle est toujours bouclée. C'est pas vrai, ça. Une minute. J'entends quelque chose. Tu n'entends rien? Ce sont les machines de mon labo. On les laisse fonctionner toute la nuit pour la climatisation. Jeter un coup d'œil. Enfin, où est-ce qu'il est passé? Je pense qu'il a dû t'entendre. Bah, bien sûr qu'il a entendu. Sa sacoche est encore là. C'est pas normal, tout ça. Il est peut-être monté. Martini! Martini! Qu'est-ce que c'était? À la porte. Ce sont des pas. Quelqu'un marche? Oui, j'ai entendu. Ça doit être lui. Martini! Je t'en prie, n'y va pas, père. C'est peut-être quelqu'un d'autre. On redescend tout de suite. Non, je ne peux pas faire ça. À minuit, je prends mon service. J'ai la responsabilité. Écoute-moi, si c'était des cambrioleurs... C'est moi que ça regarde. Mais tout seul, qu'est-ce que tu y... Mais il est bien quelque part, voyons. Martini! Martini! Que lui est-il arrivé? Il est mort. On l'a tué. Reste là! Papa! Il s'est enfui! Non, père! Lâche-moi ! Papa, reste là ! Papa ! Papa ! La police ! Appelle la police ! T'as entendu ? Oui. J'ai simplement dû s'enfuir. J'ai voulu lui courir après. Mais soudain, tout a basculé, c'est mon cœur. Est-ce que vous pourriez me faire une description? Je n'ai vu qu'une ombre, c'est tout. Vous avez vu ses vêtements? Non, j'ai pas eu le temps. Mes yeux se sont brouillés brutalement. Mon Dieu, Monsieur Hintz. Monsieur le professeur. Non, non, ne bougez pas. Comment ça va? Professeur, Martini est mort. On l'a assassiné. Oui, oui, on vient de m'avertir. Policier? Oui, je m'appelle Klein. Oui, je suis le professeur Brown Gores. Est-ce que c'est mon bureau qu'on a cambriolé? Oui, venez avec moi.
curieux. Mais comment a-t-on abattu ce malheureux? Coup de couteau dans le cœur. Inspecteur principal Derrick, il va vous être difficile de nous dire si quelque chose manque dans votre bureau, professeur. Est-ce que je peux téléphoner? Les empreintes ont été relevées? Oui, oui. Bon, allez-y. À qui vous avez téléphoné? Au docteur Hauck, mon collaborateur. Je lui avais remis quelques notes et certains documents et des choses importantes sur les recherches et auxquelles je tenais vraiment beaucoup. Et j'ai le droit de téléphoner? Oui, oui, bien sûr. Je lui ai dit de les mettre dans le coffre-fort. Et j'espère qu'il l'a fait. Il est 2 heures. Je ne suis pas sûr qu'il nous répondra. J'avais écrit un rapport pour notre prochain conseil d'administration. Un rapport qui concernait plus de 3 ans de travail de tout le personnel de mon laboratoire. J'avais passé tout l'après-midi à l'établir. Je l'avais laissé sur le bureau de Hauck. Et le dossier n'est plus là. Alors je pense que Hauck l'avait trouvé. Allô, Hauck? Oui, oui, ici Brown Gorres. Écoutez, je suis navré de vous embêter à cette heure. Non, non, je ne dormais pas encore. On vient de cambrioler le bureau. Oui, 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 un cambriolage. Bon, j'ai compris, professeur. Qu'est-ce qu'on nous a pris? Une question, mon cher ami. Il y a un dossier que j'avais déposé sur votre bureau et je voulais vous demander de le mettre en lieu sûr dès que vous l'auriez. Je veux savoir si vous l'avez trouvé. Non, 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 c'est vous qui avez les clés du coffre-fort, moi je n'ai rien. Non, je n'ai pas trouvé tous vos papiers, je suis désolé. Non, pas du tout. Je suis parti du bureau bien plus tôt que d'habitude. Où est-ce que ce dossier est passé? On a volé le rapport que j'avais fait et Martini est mort. Il s'est fait abattre par le cambrioleur. Martini est mort? Allô? Allô? Vous pourriez le faire emmener, je ne peux rien dire, avec le corps de Martini allongé là. Bon sang, bon sang. Un assassinat. Allez, venez. Hauck n'a pas trouvé le dossier. Le rapport n'est donc pas dans le coffre-fort, il s'est envolé. Racontez-nous de façon plus précise de quoi parlait le rapport que vous avez établi aujourd'hui. De précisions très importantes sur les possibilités de la silicopharmacie et qui représente un extraordinaire progrès de nos travaux en cours. Vos recherches sont top secret, je suppose. C'est exact. Nous travaillons sur la bioactivité du silicium organique en faisant procéder à une série d'expériences dont les avantages sont primordiaux. Et vous croyez possible que cela intéresse vos concurrents? Oui, c'est assez probable, naturellement. Est-ce que vous savez qui ça peut intéresser? Oh, voyez-vous, les expériences sur les bio-organismes et la chimie du silicium sont des espèces d'inconnues dans le monde actuel. C'est une récente discipline sur laquelle très peu de techniciens travaillent. Seulement, cela peut tout à coup faire apparaître des perspectives plus déroutantes les unes que les autres. Donc vous y travaillez dans le secret absolu et vous mettez dans votre coffre tout ce que vous découvrez? Eh oui, c'est la règle. Est-ce une règle très stricte? C'est-à-dire tout le monde est contraint de le faire? Tout le monde est obligé de s'y tenir, oui. Donc, par conséquent, si quelqu'un désirait s'emparer des dossiers et des expériences en cours, en admettant qu'il connaisse ce qu'il recherche, il faudrait qu'il sache où vous allez mettre tous vos rapports. Oui, sans aucun doute. Ce coffre, est-ce que je peux y jeter un coup d'œil? La salle des coffres est au bout de ce couloir et par sécurité, c'est une pièce qui a été obstruée. Toujours fermée à clé? Constamment. La seule clé est celle du docteur Hauck. Tenez, nous y voilà. Aucune trace. On n'a pas forcé la porte. Le docteur Hauck en a les clés. Lui seul? Et mon assistante, Madame Meinrath. Jusqu'à présent, nous sommes forcés de constater que le cambrioleur est venu dans votre bureau sans s'occuper une minute de ce qu'il y a dans cette pièce. Oui, oui, c'est assez étonnant. Nous pouvons en conclure que, dans ce cas, l'agresseur savait que votre rapport ne se trouvait pas dans le coffre, mais dans le bureau du docteur Hauck. Et qu'il n'y avait qu'à se baisser pour le prendre. On se pose la question, comment est-ce qu'il le savait? Eh oui, puisque le dossier n'a été laissé que par hasard dans le bureau. Et qu'en dehors du docteur Hauck, personne d'autre ne devait l'apprendre. L'agresseur le savait, alors il y a quelqu'un qui forcément a parlé. J'avais laissé le dossier pour que le docteur Hauck le regarde. Il savait où était le rapport. Vous avez combien d'employés? Vous ne soupçonnez pas que quelqu'un de mon bureau puisse faire une telle action? L'agresseur a eu des informations venues de quelque part. Il savait que le rapport sur les expériences n'était pas dans le coffre-fort. La porte de derrière était ouverte. On peut en conclure qu'un complice était dehors. Oui. Oui, oui, c'est tout à fait logique.
C'est là que Martini a été tué. Assassiné. Coup de couteau. Pourquoi est-il venu? Il a peut-être entendu du bruit. Oui. Où était le dossier? Je l'avais laissé là en sortant. Vous avez pu le récupérer? Il était dans la corbeille à papier et on vient de le trouver. On a dû le lire et le jeter après. Ah, excusez-moi. Ce sont ces messieurs de la police criminelle. Inspecteur principal Derrick, inspecteur Klein, le docteur Hauck. J'avais complètement oublié que vous alliez chez le médecin, que vous ne pouviez pas lire ce dossier. Le rapport est... disparu. Disparu. Le travail de 3 années envolé. Johannes, tu veux venir une minute? Raconte-moi ce qui s'est passé. Eh bien, on vient de cambrioler le bureau. Oui, ça je le sais. Je sais très bien qu'on a cambriolé le bureau, tu me l'as raconté. Seulement, comment ça s'est produit? Le rapport sur les expériences a disparu. Ah. Je pense que tu sais que c'est une grosse perte pour la fabrique, parce que la concurrence risque de l'avoir. Mais c'est ce qui va arriver, tu crois? Mais je n'en sais rien, c'est une possibilité. Et cela t'ennuie, je suppose? Ben oui, ça m'ennuie. Je me demande qui ça peut intéresser de posséder ce genre de rapport. Est-ce que tu vas être licencié? Mais bon sang, pourquoi demander ça? La fabrique s'est payé un préjudice, peut-être pourrait-on t'en faire le reproche. Non, je n'ai rien à y voir. Je n'y suis pour rien. Le portier est mort, on l'a assassiné, et cela, c'est beaucoup plus grave que la perte de mon rapport. Non, c'est une chose atroce. En tout cas, très désagréable. Bonne nuit, Louise. Bonjour. Salut. Ce sera tout. Merci. S'il vous plaît. Bonjour. Votre nom, madame, je vous prie. Fuss. Bonjour, professeur. Ah, bonjour, Maria. Que se passe-t-il? Oh. Martini a été assassiné alors qu'il s'opposait à un cambrioleur. Martini? C'était notre portier. Oui. Et on a cambriolé? Pourquoi? Et mon rapport secret a été volé, celui sur lequel je travaillais. Je l'avais laissé chez le docteur Hauck. Je désirais que le docteur Hauck le lise et le mette en lieu sûr ensuite. Non, le dossier, c'est moi qui l'avais. Vous aviez mon dossier? Oui. Vers 7 heures, je suis revenue pour emmener mon travail à la maison. J'ai aperçu votre dossier et j'ai cru bien faire en le rangeant tout de suite. Pardon? Qu'avez-vous fait? Je suis allée mettre votre dossier dans le coffre tout de suite. Alors, pas de panique. Merci. Il est là. Extraordinaire. C'est étonnant. Il serait malvenu de parler d'une farce. Oui, ce serait malvenu. Oui, il y a un mort, je sais. Et je suis désolé. Tout est rentré dans l'ordre, professeur. Oui, oui, c'est exact. Tout est rentré dans l'ordre. Vous permettez, tout n'est pas en ordre. On a récupéré votre rapport, d'accord, mais je n'ai pas mon assassin. En plus, c'est la concurrence qui nous intéresse le plus. Nous avons bien sûr des concurrents. Avez-vous parlé du congrès? Celui de Berlin? Oui, celui de Berlin. Je vous ai déjà dit qu'il y a 2 mois, quand nous sommes allés à Berlin au congrès, je me suis fait draguer par un gars, un certain Jurek. Il râlait tout le temps parce que je ne l'écoutais pas. Il voulait vous voir parce que c'était un vieux copain d'université. Il m'a fait très ouvertement des propositions. Je vous ai raconté tout ça. Oui, oui, Jurek, oui, je sais qu'on en a parlé. Cet ami d'université vous a fait des propositions? Ah, très souvent. Mais ce n'est pas un copain du tout, hein. Nous avons passé plusieurs années à l'école.
Et j'ignore depuis ce qu'il a pu faire. Lui savait ce que vous faisiez. Ce garçon essayait sans arrêt de m'importuner et savait sur quoi nos travaux portaient, qu'on faisait des recherches sur le Silatran. Il savait que nous avions beaucoup progressé. Et il savait aussi que pas mal de gens étaient prêts à payer pour connaître le résultat de nos travaux. Oui, j'avais oublié tout ça, mais je m'en souviens maintenant. Jurek a-t-il dit qu'il allait payer? Je ne l'ai évidemment pas pris au sérieux. Pour m'amuser, je lui ai demandé combien il voulait donner. Voulait-il payer en direct ou vous a-t-il indiqué qui était prêt à vous payer les résultats? Cela m'intéressait aussi seulement. Non, il n'a pas dit qui était derrière. Jurek, oui, biochimiste, je me souviens du bonhomme. Il a perdu sa femme et ensuite il s'est mis à boire. Vous savez où il habite? Où l'avez-vous rencontré? Je l'ai vu dans le hall de l'hôtel. Il m'a donné son numéro de téléphone, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait. En réalité, messieurs, je crois que tout ça n'a pas le moindre intérêt. Elle veut faire du zèle, c'est tout. Il est de fait qu'il y a eu ce congrès de Berlin. Oui, où se trouvaient les pontes de la spécialité. Vous y étiez aussi? Nous y sommes allés tous les trois, le professeur, Madame Meinrat et moi. Nous avons suivi toutes les interventions. Naturellement, avec pas mal d'intérêt, on voulait savoir où en étaient les autres. Il en était pas très loin, on pouvait s'en rendre compte en les écoutant parler. Ils savent que nous en sommes plus loin qu'eux, mais pas de combien. Johannes? Johannes. Oui, ne t'inquiète pas. C'est fini. En tout cas, le rapport est en sûreté. C'est tout notre travail. Oui. Sinon, c'eût été terrible. Une chance que je sois revenue au bureau. Tu sais que c'est par hasard que j'ai retrouvé ce rapport. Oui, c'est une chance. Une grande chance. Où sont ma bière et mon schnapps, hein? Je t'avais commandé un schnapps et une bière, mon vieux. Alors, je peux pas siroter une bière et un schnapps? Non, t'en auras plus parce que t'as ton compte et t'as pas un radis. C'est faux! J'ai un tas d'oseilles. Tiens, regarde un peu ça. Les collègues de Munich, le cas 112. Donnez-moi le nom, s'il vous plaît. Jurek. Martin. Oui, j'ai noté. Ce Jurek pourrait être mêlé à une affaire de meurtre qui s'est passée chez nous. Je vais vous dire ce qui s'est produit. Dans le bureau d'un biochimiste, le professeur Braun Gores, on vient de commettre un gros cambriolage. Oui, entendu. On va vous chercher ce Jurek et on vous l'embarque. Oui, d'accord. Non, non, on s'en occupe tout de suite. Je vous rappelle dans une heure. Oui. À bientôt. Un assassinat et de l'espionnage dans une fabrique. Soyez gentil de m'excuser. J'ai pas tellement dans mes habitudes de secouer les gens, vous savez. Seulement ce matin, je me suis bourré comme un Polonais. Bourré comme une grosse outre. Docteur Jurek.
Ah, il a dû sortir. Oh, tiens, la porte est ouverte. T'as vu le travail? On a cassé la porte. Voyons. Docteur Jurek? Docteur Jurek? Il n'y a personne. Rolf? J'ai la sensation que nos copains de Munich ne sont pas sortis de l'auberge. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Nous sommes de la police criminelle. C'est vous qui avez foutu tout ce bordel? Non, c'était déjà fait et la porte était ouverte, fracturée. Nous voulions parler au docteur Jurek. Et vous êtes qui? J'habite ici. Que s'est-il passé? Nous l'avons déjà dit, on ne sait rien du tout. Quel est votre nom? Pia Jurek. Le docteur Jurek est mon père. Tous ces bouquins. Pourquoi a-t-on foutu tout par terre? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient tout ce fric? Qui que ce soit qui ait fouillé ici, l'argent n'intéressait pas. Jamais il n'y a eu d'argent chez nous. On était raides. Sinon, on aurait logé ailleurs. Alors, d'où vient cet argent? J'en sais rien. Nous l'avons découvert au milieu du fatras. C'est tombé avec tous les bouquins. Et où est votre père? J'en sais rien. Quand il a de l'argent, il s'en va faire un tour. Il se rend d'un bistrot à un autre. Il est alcoolique. Votre père aurait pu intéresser quelqu'un? Lui? Non, personne. Hé, hey, monsieur Schaffner! Vous devriez monter. Là-haut, il y a un poivreau qui roupille. Allez le réveiller, chère madame. Oh, des clous, j'ai déjà essayé. Je n'ai eu aucune réponse. D'accord, je monte. Hey! On est arrivé dehors! Allez, bonhomme, on se débine. Merde, il est mort. Comment il s'appelle? Jurek. Jurek. Hans Martin? Ben, c'est l'homme qu'on cherchait. Oui, je l'ai trouvé. Mais quand je lui ai demandé de sortir, il a dégringolé sur le côté. Salut. Salut. Pardon. La cause de la mort? Poignardé dans le dos. Poignardé dans le dos. Et l'appartement sans dessus-dessous. Moi, il y a pas mal de chances pour que les deux affaires soient concomitantes. Vous dites que Jurek avait une fille. Quel âge? Avez-vous pu lui parler? Oui, je l'ai amené avec moi. Je vous retéléphone tout de suite. C'est d'accord. Mais... Bon, écoutez-moi une seconde, mademoiselle Jurek. Votre père a été assassiné parce que quelqu'un a voulu l'empêcher de témoigner. Parce que ce qu'il aurait dit pouvait permettre d'élucider un assassinat qui vient de se produire à Munich. Est-ce que par hasard le nom du professeur Braun-Gores vous dit quelque chose? Oui. C'était un ami d'université de mon père. Il m'en avait parlé. Il vous en a parlé quand? Il y avait un congrès ici. Je sais que mon père y est allé. De pharmacie, je crois. Il s'intéressait beaucoup à ce congrès. Il disait, peut-être j'y verrai d'anciens amis d'université. Et est-ce qu'il en a vu?
Il a essayé. Seulement, je sais que personne n'a voulu lui parler. Ils savaient tous qu'il était devenu alcoolique. Seulement, il avait conservé une certaine notoriété. Mon père buvait énormément. C'est la raison pour laquelle personne ne lui faisait plus confiance. Mais pourquoi ? Il n'avait plus de crédit. Il se sentait fini. Il gardait sa force seulement après avoir bu. Votre père a-t-il réussi à voir le professeur Braun-Gorès et à lui parler ? Non. Et pourtant, mon père le voulait. Puis-je boire quelque chose ? Un café ? Un coca. Vous savez pourquoi votre père désirait parler au professeur ? C'est simple. C'était un vieil ami. Je pense qu'il le considérait comme tel, comme un vrai copain. Seulement, c'était faux. Je sais très bien que personne ne s'occupe plus d'un homme qui finit. Oh, je me souviens qu'un jour, mon père a eu une visite et a parlé du professeur Gorès. Mon père a demandé que je sorte. Qui était ce visiteur ? Vous vous souvenez de son nom ? Non, malheureusement, je n'ai rien entendu. On m'avait demandé de sortir. À quoi ressemblait-il ? Vous pourriez nous le décrire ? Oh, il avait une certaine allure. Élégant. Disons qu'on voyait tout de suite que c'était quelqu'un qui avait une belle situation et beaucoup d'argent. Il avait dans les 40 ans. Environ, plus ou moins. Tu appelles Klaus, il nous fera un portrait robot et il y verra un peu plus clair. Votre père gardait de l'argent chez lui. Il avait plus de 2000 marks. Il en avait reçu plus de 7000 un jour. Je ne sais pas d'où il venait. Vous n'avez aucune idée d'où provenait l'argent ? Non, aucune idée. Monsieur Jurek a été poignardé dans le dos, lui aussi. C'est curieux. Oui, comme votre portier. Jurek a une fille. Et sa déclaration est assez importante. Elle a déclaré qu'au congrès de Berlin, son père avait reçu la visite d'une personne qui participait très certainement au congrès. Nos collègues ont pu faire établir par leur dessinateur un portrait succinct, mais qui pourrait peut-être nous aider. Connaissez-vous cet homme ? Non, je ne le connais pas. Et vous ? Non, je ne l'ai rencontré. Ça ne me dit rien pour l'instant. Laissez-moi un moment. On peut avoir ce portrait ? Malheureusement, non. Et vous, professeur ? Non. Vous savez, ce n'est pas avec ça qu'on peut se rendre compte. Il est pourtant suffisant pour que nous avancions. Un moment. Un moment, il me vient une idée. À ce fameux congrès de Berlin, il y a eu pas mal de photos de prise. Nous avons été constamment photographiés. Et toutes les photos furent exposées dans le hall pour les vendre, vous vous souvenez ? Et alors ? Alors, cette fille dont vous nous parlez pourrait peut-être, grâce à ces photos, être en mesure de vous indiquer qui était le visiteur. Excellent. Oui, c'est une excellente idée. Vous avez raison. Ce portrait est évidemment imparfait, mais au milieu de toutes les photos, peut-on trouver celle de l'homme en question ? S'il est venu au congrès, bien entendu, je le connais peut-être. Maria, pourquoi faire tout ceci ? Ce n'est encore qu'une supposition. Personne n'est sûr qu'il soit venu au congrès. On ne risque rien d'essayer. Docteur Haug, qu'en pensez-vous ? Je pense que nous devons faire quelque chose. Deux meurtres. Celui de Martini et celui de ce Jurek. De toute façon, dans une semaine, nous allons à Berlin. Et oui, le professeur et moi, nous avons promis d'assister à plusieurs conférences. Alors, on peut très bien avancer la date. Vous êtes sérieux, Dr. Haug ? Vous pensez qu'il faudrait le faire ? Mais à quoi est-ce que cela nous conduirait ? Je n'en sais rien, mais je crois que ce serait une bonne solution. Si vous voulez, je m'occupe immédiatement des réservations. Moi, j'y crois beaucoup. Mais à quoi ? Et que grâce aux photos, on réussisse à faire la lumière sur tout ça. Entendu, Haug. Vous allez prévenir nos amis que nous allons venir. Johannes, tu viens une minute?
Tu ne dors pas. Tu peux le constater. Il est très tard pourtant. Je sais pertinemment l'heure qu'il est. Vous avez du nouveau? Je veux dire, cette enquête avance ou non? Saurais-tu me dire où les policiers en sont? Ils ont pu trouver le meurtrier? Il y a eu un nouveau meurtre aujourd'hui. Non. De qui s'agit-il? D'un très ancien collègue à moi. Je pense que tu ne le connais pas, un certain Yorek. Je veux dire que si, je connais Yorek. Mais d'où le connais-tu? S'est marié lorsque tu étais encore étudiant. Je n'ai pas oublié tous tes camarades d'université. Je connais Yorek. Je me rappelle un garçon qui avait toujours une triste figure. Malheureuse, qui choquait tant dans votre milieu. Et je me souviens que c'est pour cela qu'il m'intriguait. Je crois qu'il était assez beau garçon. Alors, ce malheureux est mort. Tu penses qu'il peut y avoir une relation avec la disparition du rapport? Nous avons retrouvé le rapport. Ah, et vous l'avez? Oui, oui, nous l'avons toujours. Tout d'abord, j'avais pensé l'avoir mis sur le bureau de Hauk et qu'on l'avait volé. Et ce matin, nous avons eu la surprise d'apprendre que le docteur Meinrath était revenu travailler au bureau, l'avait pris et l'avait mis en lieu sûr dans le coffre. C'est bien là qu'il était. Pourquoi ris-tu? Excuse-moi d'avoir ri, Johannes. Ce n'était pas un rire vexatoire. Je pensais seulement que tout cela s'est déroulé pour rien. Mais il y a déjà eu deux morts. Je me demande quelle sera la suite. Nous partons demain à Berlin. Les conférences n'ont lieu que dans une semaine. Hauk va essayer de les faire avancer et c'est pour ça que nous partons demain. Hauk, Madame Meinrath et moi, nous resterons à la disposition de la police pour tenter de faire avancer l'enquête. Toi aussi? Oui, oui, tous les trois, je viens de le dire. Tous les trois? Oui. J'aimerais venir aussi. Tu viens, mais pourquoi faire? Puis-je te laisser tout seul dans ce genre de situation? C'est hors de question. Je veux y aller. C'est non, inutile d'y penser. Tu crois? Bonjour, docteur Meinrath. Je ne suis pas en retard, j'espère. Non, nous avons encore le temps d'aller boire un café. D'accord, avec grand plaisir. Un moment. Il y a une petite question que je désire vous poser, madame Meinrath. On parle beaucoup de ce rapport que le professeur a fait, des résultats que vous obtenez dans le domaine de la pharmacologie. Seulement, je me demande à quoi tout cela vous conduit. Alors peut-être pourriez-vous nous expliquer de façon à ce que même moi, je puisse comprendre. Je veux bien essayer. Nous étudions aujourd'hui la silicopharmacie. Les résultats obtenus sont d'une importance qui peut tout révolutionner. En agissant sur la rupture de la molécule, on pourrait stopper l'action pharmaceutique en quelques instants. Sur la rupture de la molécule? Oui, car après que la silicopharmacie ait terminé son action, il faut savoir que l'eau qui se trouve dans notre organisme et qui compose notre corps attaque les molécules de silicium que nous avons injectées. Je suppose que c'est un peu difficile à piger. Il faut un dessin. Vous avez un bout de papier et un crayon? Oh, non, c'est déjà trop. Non, ce que je voulais simplement savoir, madame Meinrath, c'est est-ce que toute cette industrie qui se réfère assez souvent à de vieilles méthodes, je suis désolé, mais je m'exprime assez mal, sans doute, se référera-t-elle à partir de maintenant à ces méthodes nouvelles? Mais c'est plus que certain. Nos résultats agiront fortement sur les années à venir. Vous demandiez si ce que nous avons trouvé allait représenter... Réellement une grosse valeur. Une valeur énorme. Bien que nous ne soyons pas les seuls qui ayons travaillé le sujet, le monde entier s'est penché dessus, les Russes. D'importants résultats viennent de Russie, surtout du professeur Voronkov. Il a étudié l'aryl-silatran très longtemps et a découvert que c'était à ce jour un des produits les plus dangereux qu'un laboratoire ait fabriqué et dont on connaisse encore peu de choses. C'est un produit toxique. Oui. Je suppose qu'en tant que criminaliste, ça doit vous passionner. L'aryl-silatran. 10 mg suffisent pour abattre quelqu'un. Ce qu'il y a de fantastique, c'est que ce produit arrive à se désintégrer.
Je veux dire que dans un organisme même mort, ce produit s'élimine, qu'ensuite il est impossible d'en trouver trace. Si quelqu'un pouvait s'en servir, cela ferait des dégâts. Impossible d'en contrôler la puissance. Ce serait une catastrophe. Bonjour, Maria. Pourquoi votre femme est-elle venue? Elle a voulu venir avec nous. Salut. Salut. Bonjour, Madame Brown. Bonjour, Madame Manrat. Je vous félicite. Pardon? Oui, j'ai appris de mon mari que votre fabrique avait grâce à vous évité une lourde perte. Ah, oui, oui, oui. J'espère que mon mari pourra très bientôt vous témoigner sa reconnaissance. C'est inutile, oui. Quelle chance que vous ayez pu revenir à votre bureau ce soir-là. Est-ce par hasard? Oui, tout à fait. Ma femme nous accompagne à Berlin. Mais elle n'a rien voulu écouter. Mes hommages. Bonjour. Bonjour. Je trouve toute cette histoire assez extravagante. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu accompagner tout le monde dans ce voyage. Et contre la volonté de mon mari qui n'était pas d'accord. Mais parfois, je me rebelle et agis comme bon me semble. Très bien, je la prends aussi. Je vous l'emballe? Non, je vais la garder. Je fais un paquet de vos anciennes robes. Non, pas la peine. Je ne les porterai plus. Les hommes, c'est au premier étage. J'espère qu'il est chez elle. Bonjour, mademoiselle Jurek. Bonjour. Je viens avec mes collègues de Munich. Bonjour, mademoiselle Jurek. Bonjour. Vous avez le temps de nous recevoir? Bien sûr. Bon sens que vous avez changé. Je ne vous reconnais plus. On a fait des emplettes. Pas de noir, si c'est à cela que vous pensez. Je connaissais mon père. Ça lui ferait plaisir de voir la façon dont j'utilise l'argent qu'il me laisse. C'est pour lui que je me suis habillée ainsi. Dois-je vous accompagner? Oui, merci.
Donc voici Mademoiselle Pia Jurek, Madame Braun-Gorres, Professeur Braun-Gorres, Madame Meinrath, Docteur Hauck. Bonjour. Veuillez accepter mes condoléances. Êtes-vous sérieux? Je suis désolée, mais mon père ne vous intéressait en rien. Je le sais bien. Il me l'avait dit. Je sais qu'il avait essayé, mais toujours en vain, de vous parler. C'est vous qui ne vouliez pas. Je sais, c'est vrai, et maintenant je le regrette. Je ne sais pas dans quelle affaire il avait pu s'engager, mais s'il l'a fait, c'est qu'il avait ses raisons, et nous savons aujourd'hui qu'il l'a payé. Je voudrais alors vous aider à les découvrir. Bon, bien entendu. Et je vous en serai reconnaissant, croyez-le bien. Que dois-je faire? Attendez un moment. Je voudrais vous dire quelque chose, venez. Vous allez devoir tenter de nous montrer l'homme que votre père avait rencontré. Si vous le voyez, ne dites rien, taisez-vous, restez tranquille, ne dites pas que vous l'avez reconnu. Pourquoi? Vous devez me faire confiance. Les autres ne doivent rien savoir? Oui, c'est ça, personne ne doit savoir. Comme vous voudrez. D'accord, c'est très bien. Ah oui, voilà les photos. J'ignore si elles sont toutes là. Oui, elles y sont toutes. Toutes celles qui ont été prises au congrès. Comment? Toutes les photos ont été tirées? Oui, naturellement, sinon tout ceci n'aurait aucune utilité. Asseyez-vous, mademoiselle Jurek. Vous allez tranquillement regarder toutes ces photos. Vous prenez cette loupe, vous y verrez mieux. On peut fumer ici? Donne-moi une. Lui laisse prendre son temps. Elle a tout son temps. C'est trop important. Je n'ai reconnu personne. Vous en êtes sûr? Vous ne reconnaissez personne sur aucune photo? Non. Rien. Bon, c'est dommage. Oui, c'est vraiment dommage. Vous êtes déçu, professeur? Naturellement, docteur Hauck, je suis très déçu. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Bonjour. Eric. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je m'appelle Mirisch. Vous devriez venir plus souvent à Berlin. Eh oui. Vous avez des résultats? Voilà, c'est lui. L'homme qui est venu voir mon père. C'est pas une erreur? Non, j'en suis sûre, je peux vous le jurer. C'est formidable. On a le bonhomme et ça va nous faire progresser. Mais pourquoi Mlle Jurek n'a pas dit tout de suite qu'elle l'avait reconnu? Vous soupçonnez qui? C'est le professeur ou c'est le docteur Hauck ou alors c'est peut-être le docteur Meinrath? Non, non. Il est possible qu'ils y soient tous mêlés. Nous ne savons encore pas de quelle manière. Sur quoi vous basez-vous? Les trois étaient à ce fameux congrès. Vous devez en savoir plus que moi. Que voulez-vous qu'on fasse? Il faut savoir comment s'appelle le gars. On a sûrement mis son nom. Oui, on le met sur le revers de la veste. Vous l'avez déchiffré? Non, j'ai essayé, mais on ne voit rien. Faites-moi voir. Alors, Harry? Ah, c'est illisible. Il faudrait le négatif pour faire agrandir. Ça y est, nous l'avons. Mayer-Hollendorf. Tout de suite après la Gedenischkirche, sur la gauche, il y a la Fernandstrasse. On ne doit plus en être très loin. Mais voilà, numéro 70. Le professeur est Mayer-Hollendorf. Professeur Braun-Gorres? Qu'est-ce qu'il fiche ici?
Harry, tu vas suivre Mayer Ollendorf. Trouve des informations sur lui et tu te ramènes. On se charge du professeur Grace. Oui, monsieur, vous désirez? Voilà, je désirais voir le docteur Mayer Ollendorf. Oui, c'est bien ici. Vous venez pour consulter? Vous avez rendez-vous? Non, je... Entrez, monsieur, on va vous donner un rendez-vous. Seulement, excusez-moi, je dois filer. Merci beaucoup. Cette fois que je suis quelqu'un, je me pose toujours des questions. Et comme c'est pas une gonzesse, il doit y avoir du rififi là-dessous. D'être détective ou quoi? C'est un peu ça, oui. En tout cas, il est pressé, votre client. Les feux rouges ne le dérangent pas. Toujours la même chose. Dites, si vous le désirez, moi je fonce. C'est une bonne idée. Excusez-moi, vous voulez m'aider? C'est dur d'y arriver toute seule. Oui. Vous n'êtes pas d'ici, hein? Non. Vous êtes de l'Est? Oui. Ah oui, voilà. Vous êtes gentil. C'est chic de me donner un coup de main. Entrez, quelqu'un pourrait nous entendre. Il rend visite à la petite. Est-ce qu'on le suit? Non, non. Mais je me demande ce qu'il veut à cette gosse. Mais alors, on pourrait lui demander de vive voix. C'est vrai. C'est vous, professeur? Oui. Bonjour, je peux entrer une minute? Mais oui. J'hésitais à venir vous embêter. Je voulais voir comment vous viviez. Alors, entrez et vous le verrez. Il y a beaucoup mieux, je sais. Tout ce que nous avions ici, c'est père qui l'a vendu. Au fur et à mesure. Pour son alcool. Tout sauf les bouquins, il n'a pas pu se résigner à les vendre. Pourquoi êtes-vous venu? Que pour regarder tout ça? Non, 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 mais vous devez partir, vous devez quitter cette maison et dès que vous pourrez. Il vaut même mieux que je vous emmène, alors mettez tout ce qu'il vous faut dans votre valise. Je vais vous conduire dans un hôtel. Surtout, comprenez-moi bien,
Je me sens un peu responsable de vous et je veux vous emmener avec moi. Je pourrais peut-être réparer le mal fait à votre père, peut-être me faire pardonner. Mais pourquoi vous feriez ça? Mais voyons, votre père a été assassiné et personne ne sait pourquoi, pour quelle raison. J'ai le pressentiment qu'un danger vous guette. Venez. Je voudrais que vous acceptiez. Je trouve que c'est une excellente idée que vous veniez à Munich avec nous. Une merveilleuse idée. Je me le demande encore. Pourquoi? Vous vous inquiétez de quoi? Combien de temps votre conscience va résister? Mais que voulez-vous dire? Vous avez tous mauvaise conscience à cause de mon père. C'est pour cette raison que vous vous occupez de moi. C'est très gentil à vous. Je dois dire que je n'ai rien contre. Je trouve que j'ai de la chance que quelqu'un s'occupe de moi. Bien sûr. Il n'y a aucun doute. On va aller dans votre chambre. C'est amusant de vous voir jouer les grands seigneurs. Je vous prie de ne pas utiliser ce ton. Excusez-moi, mon vieux. Et vous avez songé une minute ce que vous diriez dans ma situation? Naturellement, j'y ai songé. Pas un instant, je n'ai pensé à vous embêter. Ah, vous ici. Je vous en prie, prenez place. Merci, chère madame. Ah, patience. Eh oui, je fais des patiences pour tenter de devenir patiente, mais j'échoue. Je ne pense pas pouvoir tenir. Ça fait des jours que j'essaie en vain. Votre mari a amené Pia Jurek à Munich et il l'a même installé. Pia Jurek? Il a voulu l'amener pour la protéger. Vous en voulez un? C'est du whisky. Vous êtes gentille, pour moi, il est trop tôt. Il se défend. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas vous en dire plus. Je dis simplement qu'il se défend. Il lutte contre lui-même, il essaie de combattre. Mais je ne crois pas que ça ira. Parce que ce combat est sans doute perdu à l'avance. Tirez-en vos conclusions. Je ne vais pas commettre l'erreur de vous sous-estimer. Merci. C'est trop gentil à vous. J'ai fini ma patience, si ça ne vous ennuie pas. J'ai encore quelque chose à vous dire. Je n'ai plus de relation avec mon mari. Après 30 ans de vie côte à côte, il a décidé de me quitter. Pour le docteur Meinrath. Oui. Qui est d'ailleurs une adorable personne. Peut-être quelque peu naïve. Oui, bien sûr, je connais l'endroit. À la Nollendorfplatz, c'est notre marché aux puces. Puisque vous êtes là, profitez-en. Il y a pas mal de choses à vendre. C'est une vraie mine d'or. Seulement, que faisait Meyer Hollendorf là-bas? Il m'a semblé en tout cas très pressé. Il y a sûrement un rapport avec la visite du professeur Braun-Gorres. Je proposerais que l'on commence à surveiller certaines personnes. J'allais le dire. Et vous commencez par qui? Ce Meyer Hollendorf. Oui. Ensuite, le professeur. Oui, d'accord. Et tous ceux qui étaient revenus de Berlin avec lui. Il ne faut pas lâcher le professeur. Merci. Le professeur, Stephen? Oui, Harry. Je ne crois pas à cette histoire de cambriolage. Il a dit qu'il avait travaillé sur le rapport et qu'après avoir terminé ce rapport, il l'a laissé sur le bureau du docteur Hauck pour qu'il le mette au coffre. Coffre qui n'a aucune protection sérieuse, que chacun ouvre facilement. Il prétend qu'il a laissé une note au docteur Hauck. Et pourtant, il savait bien que le docteur Hauck n'allait pas revenir au bureau et que le dossier resterait là. C'est son alibi. Son alibi, qu'il est aussi pour la direction. Très bien. D'après toi, on dirait que le professeur devait savoir qu'il y aurait cambriolage. Oui, on dirait. En outre, il connaît Meyer Hollendorf. Justement l'homme à qui Jurek désirait parler. Mais qu'est-ce que Jurek lui voulait?
sans doute lui faire une proposition et la faire au professeur également. Oui, mais Jurek n'a rien dit. Non, il n'a rien dit, parce qu'il n'a pas pu les joindre. Et c'est pour ça qu'il a parlé au docteur Meinrath, qui de son côté a vu le professeur Brown et qui a dû lui faire part de la proposition. Et tu penses qu'ensuite, ils ont tous pu prendre contact avec lui? Oui, avec Jurek et avec Meyer Hollendorf qui attendaient les résultats. Donc tu penses que c'était prévu, le cambriolage, l'heure du cambriolage, le dossier qu'on avait mis sur le bureau du docteur Hauck. Tout avait été préparé. Oui. Seulement ensuite, il y a eu deux petites bavures dans le coup. Le meurtre de leur portier Martini et... Que cette Meinrath ait trouvé le dossier et ait pu aller le mettre en sûreté. Voilà. Elle l'a fait sans le vouloir, sans le savoir et fichu tout le plan par terre. Alors tu vas essayer de te mettre dans la situation du professeur. Il n'a pas pu se débarrasser du dossier comme il l'avait prévu et maintenant, il a deux jolis cadavres sur le poil. J'ai bavardé avec sa femme, elle a dit « mon mari se défend ». Elle ne m'en a pas dit davantage par prudence, mais elle a dit qu'il se défendait. Et elle en sait bien plus qu'elle ne veut en dire. J'en suis sûr. Tu as conclu de toi-même. Eh bien, la question est désormais, que va-t-il faire ? Pourquoi viens-tu dans ma chambre? Ça me dérange. Je ne t'ai pas demandé de venir chez moi. C'est vrai, je sais. J'ai cru que tu avais du nouveau. Tu m'excuseras de venir t'embêter chez toi. Si tu changeais de ton. Ta situation n'est pas très reluisante. Ça peut te rendre heureuse. Non. C'était justement ce que j'étais venue te dire. Je ne suis pas heureuse de te voir comme ça. Oh, excusez-moi. Mais pas du tout, entrez. Vous savez que mon mari est toujours ravi de vous voir et qu'il a besoin de vous. De moi? Oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? J'ignore ce qu'elle veut dire par là. Johannes. Ce n'est rien, Maria, ce n'est rien. Pardon devant. Je vais te rejoindre, j'ai un coup de fil à passer. Non, ne me renvoie pas tout de suite si ça ne tourne pas rond. Je voudrais pouvoir t'être utile. Cela fait très longtemps que tu ne m'as pas dit que tu avais besoin de moi. Je sais, Maria, je sais. Tu es gentille, mais vas-y. Bon. Dis-moi, tu as l'intention d'emmener le rapport? Oui, j'ai besoin de régler encore quelques petits détails. Tu parais très nerveux. Non. Allez, va-t'en vite. Je vais venir tout de suite. Mais la relève sera bientôt là. Rien. Le docteur Meyer Hollendorf est toujours chez lui. Il n'a pas quitté sa maison. Le professeur n'a pas mangé et Harry s'est occupé personnellement de Hauck qui est au bar. Un autre, je vous prie. Vous supportez tout ça? Voyez-vous, monsieur Klein. Klein, oui. Il est très rare que je sois saoul. Mais aujourd'hui, ça m'est indispensable. Pourquoi aujourd'hui? Eh bien, je suis un scientifique, vous voyez, Klein. Le reste ne m'intéresse pas. Et me voilà confronté à deux meurtres, et c'est une chose que je comprends pas et qui m'est assez inhabituelle. Vous pouvez me croire. Dans mes cauchemars les plus affreux, j'aurais jamais pensé à ça. Vous avez l'air complètement sonné. Je suis sonné, je vous l'assure. J'admets volontiers que j'ai une nature plutôt cool. Et il n'est pas tellement facile d'arriver à me démonter. Mais cette fois, vous êtes bouleversé. Oui.
Croyez-vous très intéressant de se retrouver dans ce genre de situation? J'ai l'habitude. Vous voulez en parler? J'y tiens pas trop. J'ai peur d'être un peu trop saoul. J'ai toujours eu un bon principe. Lorsque je suis bourré, je veux pas dire de bêtises. Oui. Bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, docteur Rao, qu'y a-t-il? Que voulez-vous? Monsieur, il y a des choses que vous devriez me dire. Rao, je n'ai pas de choix à faire et vous le savez aussi bien que moi. Et moi, j'en ai. Vous savez que nous n'en avons pas plus l'un que l'autre. Est-ce que vous en êtes aussi certain, professeur? Pardon? Je dois sortir car j'ai encore quelqu'un à voir et encore quelques questions à poser. Vous le meurtrier? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes un assassin! Une ordure! Vous êtes fort! Vous cassez la gueule! Bandit assassin! Salaud! C'était l'assassin! Le professeur est venu me voir et a dit: quelqu'un s'intéresse beaucoup à nos travaux. Et on m'a proposé 1 million. J'ai dit, voyons, professeur, pourquoi me racontez-vous ça? Il est clair que si l'on peut s'intéresser à ce que nous faisons, c'est pas énorme d'offrir 1 million. J'ai même la sensation que c'est insultant. Il a ajouté, oui, c'est peu d'argent, relativement. Seulement, c'est juste la somme dont j'ai besoin, que je n'aurais jamais réunie. Il me faut 1 million. Parce que ma femme veut... divorcer. Madame Brown-Gorès voulait cet argent, disons, pour tout accepter. Elle voulait 1 million. Je suppose que vous savez que le professeur avait... Madame Meinrad dans le collimateur. Vous avez donc aidé le professeur Gorès? Oui, mais il faut que je vous explique. Quand pendant des années, on a travaillé sur les mêmes problèmes, si intensément avec un homme pour lequel on avait de l'admiration... Cela crée des sentiments particuliers entre les individus, des liens solides que l'on ne peut alors effacer. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est ainsi que j'ai accepté de lui venir en aide. Nous avons étudié ce qu'on nous offrait. On s'est débrouillé pour que ça passe pour un cambriolage, pour que le professeur et moi soyons mis hors de cause. Qui vous a fait l'offre d'1 million? Meyer Ollendorf? Non, c'est pas lui. Meyer Ollendorf n'est qu'un homme de paille. Je sais pas qui a pu manigancer le coup. De toute façon, nous avons eu la visite de quelqu'un qui venait à Munich nous rencontrer. Le gars du métro? Oui. J'ai amené ce monsieur cette nuit-là, jusqu'à l'institut. Je l'ai conduit jusqu'à l'entrée. Et j'ai ensuite, tout de suite, quitté les lieux. J'ignorais tout à fait ce qui pouvait se passer. Et que notre portier, Martini, se ferait tuer. Je n'ai appris la chose que plus tard, quand le professeur m'a téléphoné dans la nuit. Je me sentais responsable de la mort de ce malheureux, mais je ne savais plus que faire.
Est-ce que je devais tout vous dire? Je pensais que oui. Le professeur était contre. Il y a eu après la mort de Jurek. Et j'ai dit d'avertir les policiers. Vous êtes devenu dingue? C'est ce que m'a dit le professeur. Nous serions ruinés, ruinés, tous ruinés. Il emporta le dossier à Berlin. Et il a dit, je veux que vous le preniez. De vous dépend notre sort. Voilà quelle fut sa décision. Je vous écoute. Oui, oui, ici, Braun Gorez. Ben oui, naturellement, c'est moi. Non, non, personne. Oui, bien sûr, mais qui êtes-vous? Oui? Oui, oui, j'ai compris. Oui, naturellement. Et c'est bien moi qui me suis adressé au professeur Braun. Et mon intermédiaire était Jurek, mais je n'ai rien fait de répréhensible. Je lui ai demandé s'il voulait vendre ses brevets. C'est une procédure commerciale tout à fait régulière. La décision dépend du vendeur. Les modalités de la transaction ne me regardaient pas. Vous n'étiez donc qu'un homme de paille. Exact. Alors je pense qu'il n'est pas difficile de nous dire pour qui vous travaillez. Je n'ai pas connu l'homme qui a fait la transaction. Il a pris contact avec moi lors de ce fameux congrès et m'a fait une proposition intéressante. Je crois qu'il fallait mieux ne pas se connaître. Les affaires doivent être anonymes. Alors j'ai accepté. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous m'avez arrêté? Mirisch? Oui, j'écoute. Bon, un moment. Le professeur a quitté son hôtel avec un porte-document. Entrer là-dedans. Si vous ne parlez que de pharmacie. Sachez que les médicaments sont pour moi sans aucun intérêt. Ce qui me semble le plus important, ce sont les sous-produits. Quel genre de sous-produits? Une petite minute. On nous a parlé dernièrement d'un de ces sous-produits, un truc... Et qui se dissoudrait dans le corps. Oui, c'est ça. Un produit qui ne laisserait pas la plus petite trace. Un poison. C'est à ce sous-produit que vous pensez? C'est bien celui-là que le professeur vendait? Il n'a pas bougé de ce bistrot. Il attend. Je vais de l'autre côté. Thank you.
bougez plus, les mains en l'air. Tenez-le bien. Tout est terminé, professeur. Professeur.